Bonjour, bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Je vous propose de relire les évangiles uniquement sous l'angle du relationnel. Jésus et son prochain. Des principes essentiels apparaissent alors qui nous guideront vers un relationnel de qualité à l'exemple de Jésus. Si les foules suivaient Jésus constamment, ça veut dire qu'ils étaient intéressés, ils étaient captivés par ses paroles. Et d'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit, souvent ils disaient, mais celui-là, il ne parle pas comme parlent habituellement nos chefs, nos patrons, nos enseignants, il y a quelque chose d'autre. Et ça, c'est le côté vis-à-vis des foules, mais avec les personnes, Jésus était extrêmement attractif dans son relationnel. On voit que des petits aux grands, des enfants jusqu'aux personnes très âgées, les hommes, les femmes, les étrangers, les gens en difficulté, les faibles, les pécheurs, tout le monde était à l'aise dans sa relation avec Jésus. Et si on analyse un petit peu comment Jésus parlait avec chacun, alors on s'aperçoit que constamment, ses interlocuteurs étaient, j'allais dire, ils étaient surpris, parce que la conversation de Jésus n'est jamais neutre, elle n'est jamais banale. Jésus ne se perd jamais dans des choses superficielles, mais il est incisif, il gratte, il ne reste pas en surface, et avec ça, toujours, il est toujours gentil, toujours agréable. Et voyez, je crois qu'on peut trouver des principes dans le mode relationnel de Jésus qui peuvent vraiment nous aider. À la fois, Jésus était toujours, spirituel, mais pas planant, réaliste. Toutes ces images étaient empruntées à la vie courante des gens, et pourtant, de circonstances banales, Jésus en tirait des enseignements qui étaient, est-ce que j'ose dire, révolutionnaires, en tout cas qui étaient une façon de voir complètement, complètement différent. Un jour, je discutais avec un monsieur. Et puis, pendant qu'on parlait comme ça, tout à coup, alors que j'étais en train de lui parler, tout d'un coup, il regarde par-dessus mon épaule et il commence à interpeller une autre personne qui passait par là dans la salle. Et j'étais évidemment obligé de m'apercevoir que même si j'étais en train de parler à ce monsieur, il ne m'écoutait pas. Et dans le relationnel, si on veut arriver à un résultat vraiment intéressant, eh bien, évidemment, il faut être centré sur son vis-à-vis, centré sur ce qu'il dit, centré sur ses besoins, que la conversation ne soit pas simplement quelque chose qui me préoccupe moi seulement. Et on trouve chez Jésus ceci, c'est qu'il était toujours centré dans sa conversation sur le besoin, l'attente de la personne qui est en face de lui. Et Jésus ne ramenait jamais la conversation à lui-même, comme si, je ne veux pas dire comme si lui-même n'avait pas de besoin, parce qu'il en avait, mais il était attentif aux besoins, à la sollicitation de celui qui était en face de lui, s'occupait de celui à qui il parle. Par exemple, lorsque dans le moment le plus tragique des évangiles, Jésus est sur la croix, et là, évidemment, en proie à une multitude de besoins légitime, dramatique, à cause de la souffrance, de la soif, de la douleur, etc. Et Jésus aperçoit Marie, sa mère, qui est là devant la croix. Alors Jésus s'est occupé de son besoin à elle. Et la conversation que Jésus a eue avec elle et avec Jean était destinée à satisfaire aux besoins que sa mère aurait maintenant d'être soutenue, puisque lui, son fils aîné étant allant partir, elle serait maintenant sans soutien, donc il l'a confié au disciple Jean qui était là. Mais voyez, c'est curieux que dans une situation aussi dramatique, aussi sensible, et où ses besoins personnels étaient si grands, Jésus était encore capable
de s'occuper de son vis-à-vis. Il était encore à ce moment-là capable de centrer toute sa relation sur le besoin émotionnel, pratique de celui qui est en face de lui. Est-ce que nos conversations, est-ce que nous sommes sensibles dans nos conversations vraiment à toucher, à sentir, à discerner le besoin de l'autre? Ou est-ce que quelquefois, naturellement, même sans nous en apercevoir, nous monopolisons les sujets de conversation vers ce qui nous revient, vers ce qui nous intéresse. Et à ce moment-là, on est dans une conversation égoïste. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est en tout cas un slogan du monde et c'est un slogan un petit peu dangereux parce que ça laisse sous-entendre qu'on dit ce qu'on veut. Bon, mais en tout cas, ce que nous trouvons dans le relationnel de Jésus, c'est que Jésus n'avait certainement pas peur de la vérité et qu'il disait tout ce qui était nécessaire de dire. Jésus est la vérité lui-même. Donc, sa conversation, ses dialogues, son communication sont empreints de vérité. Et Jésus a souvent eu ce caractère incisif qui faisait un petit peu, qui faisait peur quelque part et qui dérangeait ceux qui étaient en face de lui. Jésus a parlé d'une manière très claire, par exemple, de vérité comme celle de la GN. Ça, c'est une expression que lui-même a inventée nulle part dans la Bible avant lui. On a parlé de l'enfer ou de la perdition en l'appelant la GN. Mais Jésus a donné cette image à une vérité, la condamnation éternelle. Il lui a donné l'image de cette vallée des ordures qui brûlaient constamment juste en dehors des murs de Jérusalem pour que ses concitoyens comprennent cette vérité. Aujourd'hui, les prédicateurs, par exemple, peuvent être face à une difficulté vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on va parler de l'enfer? C'est pas populaire, c'est pas attractif, peut faire peur. Alors on peut avoir la tentation de ne parler que des thèmes qui sont porteurs, des thèmes qui plaisent, des thèmes populaires, des thèmes qui plairont à tout le monde. Et alors, on mettra ça de côté, on ne dira pas que ce n'est pas vrai, mais simplement, on n'en parlera pas. Comme ça, on n'a pas de problème avec personne. On parle que de ce qui est positif pour être au goût du jour. Mais Jésus a parlé de toute chose. Il n'a rien caché, il n'a rien habillé, il n'a rien déguisé, et il a enseigné la vérité constamment. Et dans ses rapports avec les gens, il était aussi constamment, il remet en cause. Il a censuré, il a jugé, il s'est opposé. Il a même dénoncé publiquement sur la place de la ville les dirigeants à la fois politiques et religieux dont la conduite était double, qui était hypocrite. Publiquement, il a dit, écoutez, vos chefs là, tous ceux qui sont là, ils font les malins, mais ce sont des hypocrites. Et il a dénoncé leur comportement. Je ne sais pas si aujourd'hui on accepterait qu'un responsable religieux se conduise de cette façon-là. En tout cas, Jésus, lui, l'a fait parce qu'il pensait que c'était nécessaire d'ôter à ses concitoyens, d'ôter des illusions et il voulait les remettre dans la voie de la vérité. Que notre relationnel soit vrai. Jésus avait traversé le lac en marchant sur l'eau. Et les gens de l'endroit avaient bien remarqué que les disciples étaient partis en barque, que Jésus était resté sur le bord et il ne devait donc pas avoir le moyen de traverser le lac. Or, le lendemain matin, voilà qu'ils découvrent que Jésus n'est pas là, ils l'ont cherché partout et finalement, ils le trouvent de l'autre côté du lac. Alors, ils sont venus vers lui, ils lui disent, mais quand est-ce que tu es venu? Comment t'es arrivé là? Et Jésus, c'est curieux de voir que Jésus, au lieu de leur répondre et de leur dire, ah, ben c'est que moi j'ai d'autres moyens, j'ai marché sur l'eau, Jésus leur dit, mais au fond, pourquoi est-ce que vous me cherchez? Vous me cherchez parce que vous avez envie de manger les pains que j'ai
fabriqués hier surnaturellement en les multipliant. C'est seulement pour ça que vous me cherchez. Et vous voyez, à ce moment-là, on découvre que Jésus ne s'explique pas. Il n'a pas envie de s'expliquer. Il n'a pas envie de donner de se justifier. Il a pas... Pourtant, j'allais dire, humainement parlant, si nous, il nous était arrivé de traverser un lac en marchant sur l'eau, j'allais dire, je pense qu'on aimerait bien le faire savoir, quoi. On le dirait. Mais Jésus, ça ne l'intéresse même pas. Il va en profondeur. La curiosité des gens de savoir comment il est venu, il passe par-dessus. Jésus, voyez, ne s'explique pas. Par exemple, quand une fois, il a donné aussi un enseignement très difficile à comprendre dans Jean 6 sur le pain de vie. Il leur a dit, je suis le pain, il faut que vous me mangiez. Les gens le regardaient comme ça, le manger, et il a ajouté, oui, et boire mon sang. Oh, alors là, c'était terrible. Personne, et ils sont tous partis. Et quand ils partaient tous comme ça, Jésus aurait pu les rappeler. Il aurait pu leur dire, attendez les gars, revenez. Vous ne m'avez pas compris. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Je vais vous expliquer. Je n'ai pas voulu dire qu'il fallait physiquement me manger, etc. C'est un symbole. Mais Jésus les laisse partir. Quand ils sont tous partis, Jésus se tourne vers les 12, vers les apôtres, et dit, ah, vous êtes encore là, vous? Vous ne voulez pas partir aussi? Alors, à ce moment-là, on découvre que, curieusement, dans son relationnel, Jésus n'avait jamais, ne ressentait pas le besoin de se justifier, ni ce qu'il disait, ni son comportement. Il était sûr de sa justice et de la justesse de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait. Par exemple, quand il parle avec le jeune homme riche, il lui dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as. Et le jeune homme est parti. Jésus pourrait le rappeler en lui disant, écoute, attends, on va rediscuter. Il le laisse partir. Et voyez, c'est une bonne chose d'avoir un relationnel qui ne domine pas, qui ne cherche pas forcément à convaincre, qui ne cherche pas à imposer, qui ne cherche pas à faire croire, qui ne cherche pas à être sûr. C'est un relationnel qui laisse l'autre libre. Je vais vous poser une petite question simple, hein. Combien d'apôtres Jésus a-t-il nommé? Bon, tout le monde sait qu'on parle des 12, hein. Bon, c'est une question facile. Mais en fait, moi je me demande pourquoi Jésus en a nommé que 12. Pour quelqu'un qui avait une vocation, la vocation d'une mission mondiale, on pourrait dire 12, c'est quand même pas beaucoup. Ou alors peut-être qu'il aurait pu nommer après un autre comité et puis une centaine d'autres conseillers. Puis je peux... Mais Jésus n'avait pas par goût d'enrôler. Il n'avait pas envie de faire du nombre. Hein. Et je crois que derrière ça, on peut aussi trouver un petit peu comme idée sous-jacente que Jésus n'avait pas besoin de plaire. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, au niveau relationnel, est très... très important à discerner chez soi-même. On le discerne généralement très bien chez ceux qui sont en face de nous. Hein, on voit très bien quand quelqu'un veut utiliser la conversation parce qu'il veut plaire, il veut séduire, il veut être devant. Mais chez Jésus, ce n'était pas son problème. Quelquefois même, après avoir fait des miracles extraordinaires, il interdisait aux bénéficiaires de le faire savoir. Il interdisait la publicité. Il leur recommandait, on trouve cette phrase souvent, il leur recommandait sévèrement de ne pas faire connaître ce qu'ils avaient reçu comme guérison, comme délivrance, etc. Jésus ne cherchait pas à plaire, il cherchait pas à faire de la pub. Dans certaines circonstances, même à la suite de toute la puissance miraculeuse qui s'était déversée, tout ce qui avait aidé, alors on a voulu le faire roi. On voulait le faire roi. Et Jésus, ayant su qu'on voulait le faire roi, se retira tout seul. Vous voyez, Jésus avait un tel, on dirait un tel charisme aujourd'hui, un tel charisme relationnel qu'il aurait pu, j'allais dire, faire marcher les foules et les personnes, les individus, exactement comme il voulait. Il aurait pu, j'allais dire, leur faire ce qu'il voulait. Mais il aurait pu exercer sur eux une emprise, à cause du fait qu'il plaisait, mais il ne voulait pas se complaire là-dedans. L'apôtre Paul a dit, si je cherchais encore à plaire, je ne serais même plus un serviteur de Dieu.
Et je crois qu'il faut que nous fassions attention à ce que notre relationnel ne soit pas pour chacun de nous quelque chose dans lequel on trouve l'intérêt d'être en vue, l'intérêt de plaire, l'intérêt d'être bien perçu, l'intérêt de cultiver une image de marque. Hein. Mais si nous pouvons être conscients de ça, y renoncer, et plutôt utiliser la conversation pour mettre en évidence l'autre, pour faire du bien à l'autre, alors à ce moment-là, on est largement gagnant. Qui serait d'accord de suivre Jésus pour le servir sans aucun confort, en dormant par terre, peut-être même la tête par terre, comme ça, sans aucune garantie? Et, je ne sais pas, peut-être que rien que ça, ça pourrait nous arrêter quelques-uns. Hein. Un jour, un jeune homme était venu trouver Jésus et dit « Ouais, je te suivrai jusqu'au bout ». Jésus lui dit « Est-ce que tu as bien pris compte du fait que le Fils de l'homme n'a pas un oreiller pour poser sa tête ? » Et voyez, Jésus n'a pas essayé de lui dire « Bon, tu pourrais, mais tu vois, ça... » il est très exigeant. Et on trouve dans le relationnel de Jésus un équilibre, cette composante, entre un côté très exigeant et, je dirais, un côté très gentil. Jésus réussit le tour de force d'être les deux à la fois. À la fois, il montre des exigences terribles, par exemple, quand il dit « si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, etc., il n'est pas digne de moi », ça veut dire « c'est tout, tout, tout ». Et dans certaines traductions, on a compris que, bien sûr, il fallait haïr, c'est pas dans le sens de haïr positivement, c'est dans le sens de « il faut me préférer », Jésus dit « il faut me préférer à vos relations, etc. », et c'est juste. Et certains traducteurs l'ont même traduit maintenant comme ça, mais il n'en reste pas moins que Jésus s'est montré extrêmement exigeant avec ses disciples. Il leur a montré que c'est tout, tout, tout. Et ceci, ça pourrait être décourageant et ça pourrait couper. Mais comme par ailleurs, Jésus était extrêmement gentil avec eux, toujours. Alors en même temps, ils étaient gagnés par une personnalité d'une telle bonté, d'une telle compassion, toujours. Voilà. Le dernier soir, Jésus les a appelés mes amis. Il dit, vous êtes mes amis. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'être appelé par celui qui est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est la parole de Dieu faite chair, le Sauveur du monde. Quand il vous regarde en face, il dit, vous êtes mes amis. Et souvent, quand Jésus voulait leur faire des reproches, Il savait le prendre. Par exemple, les nombreuses fois où les disciples, les douze, se disputaient entre eux pour savoir lequel était le plus grand, ce qui était quand même un peu grave quand on marche à l'ombre du Messie. Et en arrivant, Jésus les rassemble, il leur dit « Vous parliez de quoi le long de la route ?» C'était une façon de mettre en lumière leur orgueil, mais avec une sensibilité, avec une capacité de laisser l'autre prendre conscience et changer. Notre relationnel doit être exigeant, mais tellement gentil. L'évangile de Jean a cette particularité de montrer Jésus dans de nombreuses relations personnelles avec des interlocuteurs, des hommes, des femmes, de toutes sortes, et des conversations qui sont très, très, très personnelles, souvent très intéressantes, profondes. Et vous trouvez tout le long de cet évangile une particularité, c'est que très souvent, Jésus semble ne pas répondre aux questions qui lui sont posées. On dirait souvent un petit peu comme s'il y avait des dialogues de sourds. Par exemple, quand Jésus discute avec Nicodème, un homme assez âgé qui était un éminent enseignant du peuple, et Jésus lui parlait de la nouvelle naissance et Nicodème était en train de parler de la naissance naturelle. Quand Jésus parle un peu plus loin avec une femme samaritaine, il lui parle de l'eau de la vie,
et elle croit qu'il est en train de parler de l'eau du puits. Donc, c'est comme s'il y avait des conversations un petit peu qui soient hachées entre deux. Jésus parlant à un niveau spirituel en face de quelqu'un qui parle à un niveau terrestre, matériel, concret, etc. quoi. Allez, un jour, par exemple, des disciples sont venus et ils ont dit à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ton agenda? Est-ce que tu es plein? » Parce qu'il y a des gars, des Grecs qui sont venus à Jérusalem pour adorer, qui voudraient avoir un entretien avec toi. Donc c'était une question claire, pratique. Et Jésus répond, « Il faut que le grain de blé tombe en terre et qu'il meure. » Je ne sais pas si les disciples qui étaient en face de Jésus l'ont regardé, ils ont dit, « Mais attends, je ne sais pas de quoi tu nous parles, mais on n'est pas en train de parler de ça. » On te dit qu'il y a des Grecs qui demandent un entretien. Mais Jésus, lui, était allé plus loin. Le grain de blé qui tombe en terre, c'est lui. Quand il sera tombé en terre, il va porter du fruit. Et il va porter du fruit, c'est-à-dire des païens du monde entier qui veulent se convertir, c'est-à-dire que les Grecs vont être en contact avec lui. Vous voyez qu'il était déjà, j'allais dire, branché dans un autre domaine. Les disciples étaient seulement à un domaine ici, là, tout de suite, et Jésus était déjà dans un domaine spirituel. Tout ça pour dire que dans nos conversations, il nous faut veiller à ne pas rester seulement à un niveau qui serait tellement terre-à-terre que nous allons être collés au sol. Il faut que nous puissions nous élever aux vraies préoccupations, aux vraies dimensions spirituelles des gens qui sont autour de nous, afin de les aider à rentrer dans ce domaine-là. En vérité, êtes-vous vraiment satisfait de la façon dont vous gérez vos relations avec votre entourage, avec votre famille, avec vos proches, avec votre camarade, collègue de travail, etc. Est-ce que nous pouvons envisager de faire des progrès? Bien sûr, si quelqu'un dit, moi, dans ce domaine-là, je suis cool, je suis net, je suis top, je suis parfait, bon, ben, c'est bien, alors surtout reste-le. Mais enfin, pour ceux qui penseraient avoir des progrès à faire, c'est peut-être intéressant de considérer ces principes avec lesquels Jésus était en relation avec ses proches afin de pouvoir en tirer des leçons et de pouvoir faire des progrès. Ça serait aussi intéressant, vous pouvez le faire vous-même, intéressant de regarder comment Jésus gérait ses relations avec les différentes catégories sociales. Par exemple, Jésus et les femmes. Jésus et les riches, Jésus et les pauvres, Jésus et les gens influents, Jésus et les pécheurs, Jésus et les étrangers, tous des thèmes comme ça qui doivent nous aider aussi parce que nous sommes confrontés à des questions, quelquefois même des problèmes dans tous ces domaines-là. Et une question très classique, mais qui est importante, qui est une pierre de touche, un critère intéressant, c'est qu'est-ce que Jésus aurait dit s'il était à ma place? Comment Jésus se serait comporté? On a vu dans tous ces principes d'exigence liés à la gentillesse, liés à la douceur, ces principes, par exemple, de vérité. Beaucoup de personnes ont tellement de mal à être vraies, à parler avec vérité, à parler avec simplicité aussi. Mais si nous regardons à Jésus et que tous les gens qui nous entourent sentent que notre façon de leur parler est une manière qui prend soin d'eux, qui est attentif à eux, qui est centré sur eux, qui veut leur faire du bien, une qualité d'écoute, une qualité relationnelle qui fait plaisir, qui montre le caractère de Jésus. Mais c'est évident, j'allais dire, c'est évident que vous allez avoir des amis. C'est évident que autour de vous, les gens vont avoir
vont avoir besoin de vous. Alors, évidemment, on va pas le faire dans ce sens-là pour s'accrocher des gens à nous-mêmes. On a montré que Jésus, justement, avait refusé ce principe-là. Mais on va devenir aussi capable d'avoir des opportunités de faire du bien. Alors que si on est perçu comme un cactus, on fera du bien à personne. Mais Jésus va vraiment nous aider à devenir des gens qui gèrent le spirituel.